Ah tiens, Malcolm. Ah tiens, bonjour, monsieur le boudin dur. Ça va? Ouais, on se débrouille. Bon, bah... Et vous, quoi de neuf? Oh, moi, je suis dans la merde, là. Comment ça? Figurez-vous que ma femme m'a quitté. Non, c'est pas vrai. Ouais, elle est partie avec une valise. Oh, merde. Je comprends pas, moi. Bon, moi non plus. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette valise? Oh, allez, elle reviendra. Et puis, c'est pas tout. Quoi, c'est une valise que vous connaissiez? Non, j'ai perdu mon poste d'infirmier. On m'a transféré à la pouponnière. Et vous aimez pas les bébés? C'est pas ça, c'est les couches. J'en ai marre. Ah, d'accord. Voilà. Pour vous, c'est un cauchemar. Et puis, il y a autre chose. Un calembour. On me fait travailler aussi dans l'aile des personnes âgées. J'ai fait un calembour. J'ai dû annoncer à une vieille dame qu'elle quitterait plus l'hôpital et elle s'inquiétait pour ses petits enfants. Elle arrêtait pas de dire et puis les petits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis les petits. C'est une crise depuis les petits. Si vous saviez comme j'en ai ras-le-bol. T'as entendu mon calembour? J'en ai plein mon cul. T'as entendu mes calembours? Non mais pour qui ils se prennent ici? Mes calembours. Ils mériteraient que je prenne ma retraite. Vous écoutez même pas mes calembours. Ils ont plus de respect ces gens-là. Au fait, vos calembours étaient superbes. Merci monsieur.